non plus. Mais on a deux comédiens pour raconter une histoire et il faut le faire le plus fidèlement possible. Je comprends, mais je ne peux pas jouer autre chose. Et quoi? On n'a que tous les deux. Il faut faire tous les personnages. En tout cas, notre famille n'a pas combattu selon les nazis. Ce soir, notre père continue l'histoire que nous aimons tant. L'histoire de notre grand-père Jacob Schoffenbauer. Il avait 12 enfants. 12 enfants. Il était très riche, généreux. Généreux. Et respecté par la population d'Elisabethgrad, près d'Odessa, dans la Bessarabie russe. Quand les pogroms ont commencé. Entre la France occupée et la France libre. Une fois qu'on a franchi
la ligne de démarcation, ça suffira à trouver un passage jusqu'à mon trou. Et les jets sont faits. Les jets sont faits. C'est tout. C'est tout. C'est tout, hein? Un jeu d'enfant. Deux juifs. Et sous papier. À propos, Joseph, s'il te demande, toi t'es pas un juif. Oui, très bien. Joseph, t'es un juif, hein? Oui, je sais que je viens de te dire, mais c'est ton frère qui te demande. T'es un juif, toi? Tu peux me le dire, t'es un juif? Non. Écoute, c'est moi qui te demande, t'es un juif? Non, je ne suis pas juif. T'es un juif.